Nous approchons de la Pentecôte, nous avons appris à connaître le Père, le Fils, et maintenant on fait mention du Saint-Esprit. En fait, pourquoi Jésus est-il venu et pourquoi nous intéressons-nous à lui? L'Évangile d'aujourd'hui répond, Jésus est venu pour nous communiquer la vie de Dieu. Et nous nous intéressons à Jésus parce que la vie de Dieu est, grâce à lui, à la portée de main. Mais l'apôtre Jude trouve que l'idéal serait que la vie de Dieu soit à la portée de la main de tous. Et Jésus lui répond qu'il serait lui-même heureux que tous l'accueillent, mais que par respect de la liberté des gens, Dieu ne peut communiquer sa vie qu'à des gens qui sont disposés à la recevoir. Et quelle est cette disposition ? Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un garde mes commandements et les garde. Il dépend donc de nous de recevoir la vie de Dieu. Nous nous y disposons en aimant le Christ de plus en plus. Dernier mot, celui qui aime Jésus reçoit les trois personnes de la Trinité. Il reçoit les commandements du Christ, il reçoit l'amour du Père, il reçoit l'enseignement du Saint-Esprit. Il reçoit la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères, vous qui avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez en vous la vie de Dieu.